papa, vous allez bien? Ok. Avec vous aussi, tout est parti alors que vous étiez en train de balancer la main. Bénissant le Seigneur par rapport à ce qui était en train d'être dit sur la vie du frère. Amen. En fait, dans mon esprit, je me vois le mercredi. Le mercredi 6 septembre. Mercredi 6 septembre 2023. Et en cette date, je me vois dans un. Dans une pièce, il est 21h45. Je me vois dans une salle. Un mercredi. Mercredi 6 septembre. 6 septembre. À 21h45. Je vois un homme sur un lit. Comme en train de suffoquer. Et pendant qu'il faisait ça, je les vois bloquer. Et j'entends des gens commencer à pleurer. Le Seigneur me dit de vous dire, cette date là, cette heure là, vous avez perdu un être cher. Je précise que c'était un mercredi. Le 6 septembre. Le 6 septembre 2023. 21h45. C'est là que papa a rendu l'âme. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a une grâce cette année. Parce que papa était un baobab. L'esprit de conseil, l'esprit de sagesse reposait sur cet homme. Amen. Dieu me dit, vous êtes la continuité de la mission que cet homme a fait dans votre famille. C'est pourquoi, dans mon esprit, j'entends le nom de Robert. Le Dieu des esprits de prophètes me dit de vous dire, préparez-vous. 2024, je vois le Seigneur vous connecter aux hommes importants dans cette ville de Kinshasa. J'entends un nom comme Elisabeth. Elisabeth, c'est ma patronne. Hein? Elisabeth, c'est ma patronne. C'est votre patronne? Oui. C'est une femme qui a un teint clair. Oui, oui. Azapembe. Oui, oui. Exact. Avance. Parce que pendant que le Seigneur est en train de me donner ce nom, je vois cette femme te faire tenir le drapeau de la République. Amen. Quand tu touches le drapeau, elle, je la vois comme quelqu'un qui est en train de prêter serment. Le Seigneur était en train de me dire, Dieu va beaucoup élever cette femme dans cette nation. Amen. Et parmi les hommes de confiance et sur qui elle va s'appuyer, Amen. Votre nom est sur la liste. Amen. Parce que votre savoir-faire stabilisera l'autorité. Amen. Et la royauté qui est sur elle. Le Seigneur est en train de dire, mon frère, cette année 2024, Amen. De la même manière que l'année 2023, Amen. Vous avez versé le larme. Cette année, Amen. Le Seigneur Dieu de gloire Amen. Me dit de vous dire, Amen. Il restaure, Amen. Il rétablit et vous stabilise. Amen. Passez de l'autre côté qu'on vous impose le main.